À ce jour, le taux brut de scolarisation parmi la population en âge est établi à 84,6%. La parité entre filles et garçons a connu une remarquable progression grâce notamment aux campagnes de sensibilisation en faveur de leur scolarisation. Mieux encore, l'école devient plus juste et plus inclusive avec l'intégration des enfants à besoins spéciaux. En 2016, un nouveau cap est franchi lorsque notre petite République décide d'accueillir les enfants réfugiés à l'école publique, grâce à un engagement du chef de l'État au sommet de New York en 2016. Une conférence régionale sur l'éducation des enfants réfugiés est organisée ici, et la déclaration de Djibouti couronne le fait. Les écoles des villages de réfugiés d'Ali Adé et de Merkazi rejoignent le système éducatif. C'est d'ailleurs l'école d'Ali Adé qui fournit le premier lot de bacheliers.